Bienvenue dans l'épisode 63. On reprend là où on s'était arrêté. Oups, ça commence fort. C'est-à-dire qu'il y a un coffre qui nous embête. Un coffre qui ressemble fortement à un cristal magique. Alors, d'ici, je pouvais même pas le voir, mais... En gros, là-haut, en haut à gauche... Voilà, il est là-haut et je sais pas comment y aller. Alors je vais quand même réessayer un petit peu comme j'avais fait dans l'épisode précédent. Tout simplement parce que pour l'instant, j'ai pas d'autre idée en tête. Oh, lui m'énerve. Casse-toi. Donc, reprenons notre enquête. Par exemple, si on se met ici, on voit tout de suite ce coffre. Mais on dirait qu'il y a un trou au-dessus, un passage. Donc, c'est quand même un peu la preuve, à mon avis, qu'il faut passer par le nord. Ouais. Donc ça doit pas se jouer ici, ça doit se jouer dans l'écran qui est au nord. C'est-à-dire plutôt la forêt. Bien que ça paraisse quand même... Ah, étonnant. Ah, pas mal. Le méchant, il court vers l'explosion. Tiens, on va passer par là. Donc ça se jouerait vers là, en fait. Mais je suis pas dans la forêt. Ah, on est aux abords de la forêt. Tiens, j'ai pas eu toutes les gemmes ici non plus. Je vais continuer sur ma lancée des épisodes d'avant. Je nettoie tout, en particulier les pierres noires qui cachent encore des gemmes. Je nettoie tout sur mon passage, plus précisément. Mince. Et je ne refais pas le tour complet du monde juste pour les gemmes. Je fais au fur et à mesure parce que de toute façon je sais très bien que je vais pas tarder à avoir refait tout le tour. Je sais pas si je suis très clair mais il est tard. C'est peut-être là-haut. La gemme de force, je parle. Hein. Là où les gemmes de force. Bon, du coup, tant pis, j'irai voir plus tard. Concentrons-nous sur la raison de notre venue. D'accord, donc depuis là, on peut rien faire de plus. Et depuis le passé, on peut rien faire de plus. Alors, est-ce que ça serait plus ici? Absolument pas. Et là, encore moins. C'est là le petit passage en fait. Je reconnais le petit arbuste à moitié coupé là. Enfin, on voit que la partie nord. Pareil, je fais d'abord un petit tour pour les gemmes de force. Allez, meurs. Quand même. Le grappin, c'est pas vraiment une bonne arme. Ah, pas de gemmes de force.
tout ça pour rien. En fait, je pouvais passer par là aussi. Enfin, peut-être pas. Ah si, j'aurais pu. Et ensuite, de ce côté-ci... Gemme de force! Yes, j'en ai 20. Je pourrais m'acheter donc le flacon supplémentaire. Ou alors j'attends d'acheter une amélioration de... d'attaque peut-être. Je sais pas, on verra bien, j'ai pas encore décidé. Donc, il faut que j'arrive là, mais ça me paraît totalement impossible. J'ai envie de temps accéléré. Ça revient à dire qu'il faut arriver là, à droite, là, en bas. J'ai vérifié dans le futur s'il y a moyen. Dans le futur, il n'y a rien à faire. Donc au moins, ça limite notre recherche à deux époques. Donc il faut que j'aille là, là... Il faut que j'arrive là, sur le petit coin, en bas. Alors, est-ce qu'il y a moyen dans le futur d'arriver sur ce petit coin? Ah oui, probablement. D'accord, donc c'est là où j'étais tout à l'heure. Ça y est, j'ai trouvé, je crois. Donc faut aller là. Après, il faut aller dans le futur. Ouais, ici, il faut aller dans le futur. Et ici, il faut aller dans le présent. C'est rigolo, quand même. C'est vachement bien fait. Et dans le passé. Et voilà, on a fait tout le tour. Encore 4 à trouver. On va quand même vérifier qu'ils n'ont pas poussé le vice à rajouter... Encore un niveau de d'énigme par là. Ah si, là je suis... Je sais plus, j'étais déjà venu là. Bah ouais, j'étais déjà venu, donc finalement c'était pas si dur, j'aurais pu passer par là. Ah! J'ai trouvé un bug. J'ai trouvé un bug. Non, je vais jouer le champ de l'envol, ce sera plus simple. Par là. Je voudrais en fait retourner quand même à l'endroit où j'étais. Avant que ça bug. Parce que j'avais pas fini de essayer d'explorer toutes les possibilités. Et en particulier, je sais qu'il me manque des gemmes de force. Il me semble que c'est dans le futur. Dans ce secteur. Mince. Faut que je passe par le futur. Que je mette une bombe comme d'habitude. Oh. Inverse. Ou inversé, comme vous voulez. Et donc en fait, c'est cette montagne-là. Que j'étais en train de me demander est-ce que je pouvais y aller plus facilement. Et en fait, non. Accélérer. Accélérer. Voilà. Donc il fallait bien faire tout le tour comme j'ai fait. C'était effectivement la seule solution. Donc je le refais. Et après, inverser là. Et donc après, voilà, c'était ça que je voulais explorer. Donc déjà, exploration dans le présent. Là, on est d'accord, il n'y a plus rien. Exploration dans le futur, c'est totalement identique.
Ah, j'ai toutes les gemmes dans le futur finalement. Présent aussi. Et dans le passé. Ah, c'est dans le passé qui m'a manqué, d'accord. Donc. Non, on peut rien faire de plus là. C'est ici que le bug a eu lieu. Donc je vais pas refaire la même chose. Ok. Alors il me manque quand même des gemmes du coup. Des gemmes dans le passé de ce secteur. Et pour revenir en arrière, faut que je refasse tout le trajet du coup. Ah, ça va pas être facile. Si, c'est bon. Accélérer. Accélérer encore. Inverser. C'est assez génial ce mécanisme, j'adore. Voilà. Et ensuite on va faire inverser deux fois. Et on va essayer de trouver cette gemme. On a exploré... Ah non, je sais. On a exploré toute la partie désert, toute la partie colline là, donc à mon avis, par élimination. C'est tout simplement de l'autre côté de la colline. Donc plus du côté lac. Mince. Karina. Ouais, peut-être que dans ces coins-là, il reste des pierres noires. Et voilà, c'était bien ça. Trop cool. Après. J'avais dit que... par là-haut. Non, c'est... là, y'a rien. On va revenir dans le... Non, pas dans la préhistoire. Dans le présent. Puisque dans cette région, on n'a pas tout eu. Je crois que c'était dans le passé qu'on n'avait pas tout eu. Peut-être même aussi dans le futur. Dans le futur, on n'a pas tout eu. Allez, on va faire futur. Donc c'est toujours pareil. Hein. Les pierres noires. Parce que tout le reste, normalement, j'ai nettoyé X fois. Quoique, ça arrive encore parfois qu'on en trouve de temps en temps. Hop, y'a rien ici. Y'a rien ici. Ici, évidemment, je les aurais trouvés si on avait eu. Donc il nous reste là-bas. C'est pas forcément tout facile d'y aller. C'est même un peu dur d'y aller par le futur. Par contre, dans le présent, je sais qu'on peut. Retour dans le futur. Ah là voilà, cette gemme manquante, c'est bon. Ensuite le passé. Ah non, le passé c'est bon, les a toutes. Pourtant je suis ici, je vais aller dans un endroit qui m'a... toujours perturbé. Ah
Juste ici. Il y a ça. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Ou qu'est-ce que ça pouvait bloquer ou non. Bon, dans le passé, dans le présent, c'est exactement identique. Dans le futur, c'est pas vraiment différent. On doit pouvoir arriver par la droite, là, à un moment donné. On va faire le tour par là. Champ du temps inversé, on peut pas par là. On peut pas par là. Donc là, j'ai vraiment pas d'idée. Ah oui, puis il y a ça aussi. J'ai jamais réussi à y aller non plus, là. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. En dessous, là, en bas. Champ du temps accéléré. J'arrive dans les buissons. Champ du temps accéléré. Est-ce que c'est la même chose? Ben ouais, pareil. Comment on peut aller là? D'ailleurs, comment on peut y aller et aussi à quoi ça servirait? Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être encore une histoire de cristaux. Déjà, il faudrait que je puisse nager dans ces coins-là pour avoir une vue plus claire des lieux. Alors peut-être que tout simplement il n'y a rien. Ce qui est très possible. Bon, en tout cas ici il me manque une gemme. Enfin au moins une gemme. Ah oui, mais c'est l'endroit où j'arrive pas à aller. Donc c'est pas la peine d'insister. On va supposer que qu'on peut pas aller là, que c'est rien du tout, que c'est une fausse piste. Oui. Non, ici qu'il manque des outils. Comment vais-je faire? Une bouteille de vin, ça m'étonnerait. Et le balai, j'avais déjà essayé. Combien j'ai de cristaux alors? 3 pour l'instant. Et les autres, j'avoue que je vois pas très bien où ils peuvent être. Je suppose qu'ils sont tous dans des endroits où il faut jouer avec le convecteur temporel. Mais où exactement? Ça, c'est difficile à dire. Par contre. Ah, zut. Donc là, on n'arrive pas à y aller, certes, mais... Ah bah si, il peut y avoir des gemmes de force. Il peut y avoir des gemmes de force dans le buisson là-bas. Il me semble que tous ces coins-là, j'avais bien vérifié avec le... avec l'ocarina. Et dans le futur...
Ouais, ou alors il faut arriver par l'intérieur de ça. Alors, il y a peut-être un passage secret dans la banque. Moi je veux rien, je voudrais explorer le... Mais en fait, même si vous pouvez passer derrière l'escalier, on peut pas aller dedans. Donc je pense qu'il est juste décoratif. S'il y a un secret, il n'est pas là. Par contre, il pourrait être sous un crâne comme ça, tiens. Sous un crâne comme ça, dans un trou en fait. Ça, ce serait pas impossible. Ou bien dans cette maison. Ancêtre voulait construire un pont, mais il n'a réussi qu'à en faire le plan. Je viens d'une île incapable. Bla bla bla, je sais même personne ne m'aime. Tiens, de l'alcool. Non, c'est pas pour lui. Ok. Toujours pas moyen d'aller là-haut. Point positif, c'est que je continue à trouver des gemmes de force. Bon, en tout cas, voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a peut-être encore un ou deux endroits que j'ai envie de vérifier. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, bye bye, salut!